Bonjour Crowlet, c'est Lupina pour un nouvel épisode de l'histoire des Dégalientis, de On est à l'épisode numéro 11. Je suis désolée de ne pas avoir posté la semaine dernière. Je m'y suis prise trop tard, j'ai eu un problème avec mon sommeil, etc. Donc j'ai pas pu tourner. Mais nous voilà, et ça, ça a permis, cela dit, de beaucoup, euh, de me donner pas mal de réflexions Et j'ai pas mal réfléchi. Donc pour ceux qui l'ont vu, j'ai fait des petits lives improvisés euh, la semaine dernière. Où j'ai construit. Euh, enfin, j'ai commencé à refaire tous les, les terrains communautaires euh, du jeu. Ce qui me prend pas mal de temps. Et du coup. Euh, du coup, j'ai eu d'autres petites idées. Et je pense qu'il y aura peut-être d'autres lives improvisés. Alors, vous inquiétez pas si vous les ratez ou ou c'est pas grave, il y aura la rediff dans la playlist des Degalientis. Bien évidemment, ils ne sont pas obligatoires à regarder, ils sont totalement euh, indépendants des épisodes, donc euh, si vous ne les regardez pas, c'est pas grave, vous perdrez rien du let's play. Alors, vous avez, vous avez voté pour Maria, <laughs> je suis essoufflée, c'est super, et... Euh, et comme vous avez pu voir, elles se sont embocanées toutes les deux parce que Maria a fait des avances à Bertille et ça n'a pas du tout plu à Bertille. C'était un peu trop, euh, un peu, un peu trop bizarre, euh, trop mal amené. Et du coup, elle n'a pas du tout apprécié. Maria n'a pas apprécié d'être recalée et Maria a fait euh, une chose impardonnable. Elle a traité Léontine de Lama Ça, ça, ça passe pas Donc là, Bertie est très énervée Elle a décidé de euh, partir <laughs> Elle a décidé de partir Elle va aller prendre l'air Et pour ça, elle va, euh, elle, va euh, elle va passer du temps avec les garçons Voilà, parce que les garçons euh, Non, Gabriel est avec sa poule Donc elle va passer du temps avec Edouard, Raphaël et Mike Et elle va aller les emmener euh, Les emmener, je sais pas trop où je ne sais plus où j'avais dit qu'on irait parce que je pense à un truc et juste après. Ah oui, au cinéma, voilà. Ils vont aller tous les quatre au ciné sur un petit sinoche. Donc voilà, Edouard. Euh, Edouard est crevé, ça c'est génial. Super. <laughs> euh, Est-ce que les deux autres peuvent arriver Donc voilà, Raphaël et Mike ils devraient pas tarder. Et re, mes choucrouloutes. Voici le cinéma que j'avais fait il y a déjà un bon moment. Je l'ai un peu refait. Donc je vais vous le présenter. Voici mon cinéma. Donc en haut, il y a trois grandes salles, tranquille. Voilà, c'est un petit cinéma. Après, j'ai pas fait un truc immense parce que. Euh, bon, il y a quatre salles, c'est déjà pas mal. Il hein. euh, y en a une autre là en bas, plus grande, je crois. Et puis, du coup, on rentre ici. Il y a toutes les affiches de films, de quoi payer sa place, etc. Des cabinets. Là, c'est la salle de personnel. Donc euh, quand le personnel arrive, euh, les cabinets, voilà. Et puis euh, de quoi acheter euh, son popcorn, euh, des goodies, euh, des cookies, je ne sais quoi. Et une autre salle d'entrée de personnel. Et surtout, j'ai refait l'extérieur. Pour ceux qui, est, qui sont là depuis longtemps et qui avaient déjà pris ce cinéma quand j'ai commencé à le faire, euh, j'ai refait tout l'extérieur. Donc j'ai ajouté un panneau avec toutes les, toutes les affiches de films. Genre euh, venez voir ce qu'on qu a à vous proposer. J'ai rajouté les haies, le petit arbre, l'éléphant. Enfin, j'ai décoré un petit peu parce que ça faisait quand même vachement vide. Et je me disais que ça pouvait être une bonne idée. Donc, les garçons et Bertille vont aller dans une petite salle tranquille. Donc ici, ça me paraît pas mal. Et ils vont aller regarder... Je sais pas ce qu'ils peuvent regarder. J'espère qu'ils vont tous s'asseoir par contre. Donc alors attendez, on va y aller doucement. Il fait nuit donc ils risquent pas de cramer, c'est déjà ça. Allez les enfants! Donc là, ça forme sombre. Je sais même pas pourquoi. Je sais plus pourquoi j'avais voulu leur mettre. C'est pas grave. Si vous voulez ce cinéma, vous pouvez le retrouver dans ma galerie. Euh, mon idée, c'est. Mon idée origine, c'est Lupina, tout simplement. Tout simplement. Alors, on va s'asseoir ensemble, s'il vous plaît. Du coup, il y en a un qui est tout seul. Ou alors, ils vont se mettre aux quatre coins de la pièce. Mais c'est n'importe quoi. Edouard, tu vas où? Ouh, Édouard, va à côté de moi! Ah, Mike bouge. Merci, viens plus près Mike. Où est-ce qu'il va Tu te casses Non mais t'es sérieux Mais qu'est-ce qu'ils font Mais vous allez où Mais restez <laughs> Mais non <laughs> Allez, on va regarder... Hmm, qu'est-ce qu'ils peuvent L'armée des trucs vivants avec... Euh, avec tout le monde. Euh, vous avez intérêt de vous ramener par contre. Mais qu'est-ce qu'ils font Ah, donc euh, Raphaël... Mike Oh, patate! <laughs> j'ai pépé de ce mec! Bon, bah, on se casse, hein <laughs> Allez, assis-toi! Alors, j'ai jamais vu ce film, donc on va, on va regarder un peu avec, euh, avec eux. Le pauvre, il est tout seul! Et oui, donc, comme je fais, refais tous les terrains communautaires, on va, euh, on va un petit peu alterner les épisodes pour euh, aller voir tous les, les lieux communautaires, etc. Aussi, j'ai refait l'appartement des garçons pour ceux qui, qui étaient là depuis. Euh, Enfin qui sont venus voir le live, donc j'ai refait l'appartement des garçons. Donc ça c'est bon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Euh, on va aussi changer la façon de jouer, c'est-à-dire que de temps en temps, j'irai faire un épisode avec euh, les autres familles qu'on n'a pas encore vues. Pour, euh, pour que, tout le monde, euh, que tout le monde soit content. Bon après je peux pas jouer avec tout le monde, c'est normal. Donc vous inquiétez pas, vos familles viendront. J'ai un plan pour tout le monde. J'ai essayé de caser tout le monde un peu à droite à gauche. Il y en a qui des magasins, il y en a qui ont des trucs, des machins. Vous inquiétez pas. Et surtout, j'ai fait grandir tous les Sims enfants que vous m'avez envoyés. Ceux qui me suivent sur Facebook ont pu le voir dans l'album. Et il y a de ces canons. Euh, des fois, je vous jure, j'ai fait grandir euh, le bonhomme. J'ai fait. Oh <laughs> J'en pouvais plus de ma vie. Il <laughs> y a vraiment de ces canons. Vous verrez, de toute façon quand on les verra, vous verrez bien ma réaction. Est-ce qu'on peut discuter du film avec Edouard Est-ce qu'on peut lui dire que c'est de la merde On va dire qu'on n'aime pas. Non, il n'y a pas Oh, déçu. Choqué déçu. Mais on ne peut pas Pourquoi Et si on, on fait méchant pour dire euh, c'est de la merde ce film Oh non, mais je ne pas crier sur Raphaël, il m'a rien fait. Oh, je suis déçu. Normalement, on Ah, attendez. Ah, ça y est, le film est fini. <laughs> et là, du coup, j'ai pas du tout regardé. Alors, attendez. Euh, comment ça se passe Donc, Ah, mais on kiffe Edouard, en fait. Hein J'avais pas remarqué que c'était à ce point-là. Gabriel, on l'aime bien aussi. Et Mike aussi, hein avec les garçons. Bertie, elle a la cote. Hein Donc, du coup, euh, est-ce qu'on peut lui parler, alors, de, de, de du, du machin, là, du film, quand même on, on vient de voir un film, on aimerait bien en parler. Mais je veux parler du film maman Bon bah écoutez ils ont pas l'air euh... non je sais pas ce qu'ils foutent hein. ils discutent Non elle discute qu'avec Raphaël Alors attendez parce qu'elle discute avec Raphaël par dessus Edouard Salut Raph ça va Ouais toi C'est abusé <laughs> Bon bah super Super, après c'est pas grave parce que j'ai envie de dire que Edouard a déjà eu un petit peu son. Ah Discuter d'une scène d'horreur, voilà euh, Edouard a déjà eu son petit heure de gloire. Après, euh, c'est vrai que Raphaël en fait aussi. Euh, discuter des acteurs. Allez, on discute avec Mike. <laughs> Mike, il prend sa pose de beau gosse, là. Salut, bébé, ça va Je <laughs> suis tout seul. <laughs> c'est énorme Oh, la pose qu'il prend, genre. Bien ou bien <laughs> Alors, poser une question sur l'intrigue du film. Bon, j'espère qu'elle va vite plus être en colère parce que... Oh, il est blasé, il a pas aimé le... T'as pas aimé le film, Mike Non, j'ai l'impression de hurler par contre. Je suis désolée, j'ai vraiment l'impression de hurler avec ce, ce casque parce que je ne m'entends pas du tout. Donc voilà, je me rapproche. Je me rapproche comme ça. Et on va continuer la vidéo en ASMR. <laughs> Ou pas je vérifiais quand même le micro parce que ça m'inquiétait. Il est possible que le son soit plus fort maintenant. Je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas. On va lui faire une petite blague parce qu'il a l'air blasé. Donc euh, du coup, euh, j'ai même plus ses traits à ce pauvre Mike. Et Raph, euh, du coup, on va complimenter sa tenue. Edouard, ah ok, donc Edouard est parti euh, pioncer dans le ciné, euh, tranquille. Bon, d'accord, <laughs> si vous voulez. <laughs> euh, comment vous dire <laughs> D'accord, d'accord. Ah bah, Mike s'en va. Bon bah, on va continuer avec Raphaël alors. Hein, euh, tant pis. Ah bah, attendez, parce que j'ai cliqué sur Mike. Il va peut-être revenir. Ouais, il revient. Ça s'en va et ça revient. C'est comme un Mike qui part. la. C'est n'importe quoi. <laughs> bon. Ça va, Bertie Tu vas mieux Mais Non, ça va pas du tout. Ah si si ça va un peu mieux, ça va bientôt finir. Amour non, j'ai pas envie de faire l'amour moi. Hein. Enfin si, mais euh, pas, euh, pas tout de suite immédiatement. Je pense que c'est vous qui choisirez au final euh, le, le petit copain ou la petite copine de Bertille. Mais avant de choisir tout ça, j'aimerais qu'on voit tout le monde. Voilà. Donc, on n'est pas rendu, hein, donc vous ne pressez pas à vous dire Oui, ce serait vraiment trop cool si Bertie sortait avec machin. Parce que de toute façon, il euh, faut d'abord qu'on voit tous les sims. Voilà, vous, vous allez tellement voir que vous avez même plus savoir qui voter. Et ce sera cool. <laughs> ah, bah ok, bah Raph s'en va. Euh, Mike, est-ce qu'on peut te faire un câlin Tiens, et si on l'enlacait Tout à l'heure, j'ai enlacé sa soeur. Maintenant, je vais enlacer. Enfin, euh, tout à l'heure, pour une photo, j'ai enlacé sa soeur. Donc, je peux bien l'enlacer lui, après tout. Allez Oh! oh Elle n'a pas aimé le film. Ok. Donc les zombies, c'est pas ton kiff. Oh, ils sont trop choux. Et en plus, je voulais vous dire, c'est totalement RP. Hein. Euh, J'ai décidé que. Comment elle s'appelle Bertie, je ne me souviens même plus de, des noms de mes Sims, ça ne s'arrange pas. Je voulais, euh, je, je voulais en fait que Bertie, Mike et Crystal aient un lien un peu particulier, parce que si vous vous souvenez, c'est quand même elle qui les a mordus. C'est-à-dire qu'ils sont liés euh, par le sang, en fait, quelque part. Donc euh, voilà, donc Mike, même s'il ne devient pas son chum, il, devient, il sera toujours très proche d'elle, sauf s'il si s'embrouille à mort et que du coup, euh, ça fait euh, des soucis. <laughs> Pardon, j'ai tapé dans le micro, mais on verra ça, on ne sait pas. Pour le moment, je vais les faire méga proches, donc ça va, hein, ils sont plutôt, euh... ils sont plutôt bien partis. Je suis désolée si vous entendez mes bruits de bouche, j'arrive pas à avaler ma salive, ça s'arrange pas. Alors, ils essayent de construire une relation durable, ok, et donc euh... ils sont bons amis et voisins accessoirement. J'espère par contre que le fait qu'ils soient voisins, ils viennent pas euh, tambouriner à la porte dès qu'il y aura le moindre petit son. Une petite conversation profonde, Mike. Bah oui. Complimenter sa tenue. J'adore ton t-shirt piment. Tu l'as eu où C'est trop drôle. <laughs> Une petite blague. C'est toujours drôle les blagues. Ah oh, mais arrêtez d'être blasé les chouchous. C'est triste d'être blasé. Ah, ils ont relancé un film. Ah oh, bah d'accord. Bah écoute, regarde le film avec Mike. Hein, n'y a pas de problème. Bon bah du coup, ils finissent cette petite soirée tous les deux. Je trouve ça, je trouve ça fun parce que on voit pas assez Mike, je trouve. Donc. Donc, c'est pas plus mal. Alors, euh, Flatté. On va lui demander qui préfère en violoniste. Et il a intérêt à nous dire que c'est nous. Parce que sinon, on le décapite. Voilà, c'est tout. <laughs> le pauvre, il a rien demandé. Euh, illuminer la journée de quelqu'un. Non, non, non. Ah, prenez une photo ensemble. C'est trop kiki quand ils font ça, les Sims. Et du coup, je voulais qu'ils deviennent meilleurs potes. Ah! C'est trop rigolo, Regan. Smile, c'est pour Facebook. J'imagine en fait euh, les les vampires où on ne voit pas leurs photos. Enfin, euh, comme sur les miroirs, quoi. Il n'y a pas leur reflet. Enfin, je sais pas comment vous dire. Ce serait bizarre. Alors, je me demande si c'est si c'est vrai en plus dans les Sims. Il faudrait que je vois. Se plaindre de ses parents. Oui, tu sais, j'adore ma j'adore ma mère, mais des fois, elle est un peu chiante quand même. Ouais, c'est vrai. Tiens, la clé de mon appart. Ouh. Tiens, toi aussi, Edouard. Edouard. Voilà la clé de mon appart. <laughs> Allez-vous. Ah ça c'est cool. On va peut-être pouvoir devenir meilleur ami avec euh, avec lui. Le souci c'est que quand on devient meilleur ami avec un Sim, bah, on peut plus... Enfin euh, on peut pas avoir plusieurs meilleurs amis. C'est quand même dommage. Bon je sais qu'à la base on est censé avoir qu'un seul meilleur ami mais... Pff. Oh on s'en fout. <laughs> Elle l'a pas donné à Edouard Tu l'as donné J'ai même pas fait gaffe. Ah bah attends on va le donner à Raph aussi. Hop, donnez la clé. Et ça c'est bon Moi ouais, c'est bon, super. Super Allez Raphaël, prends la clé de l'appartement, tu la mérites aussi. Franchement je suis, con suis contente, j'arrête pas de, de, de zozoter, je sais pas ce que c'est, c'est très scient, j'ai la langue lourde, la li, la, li, la 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 la. <laughs> j'ai mangé des dragibus, ça doit être pour ça. Trop de sucre. Je suis contente parce que ils sont copains. C'est pas grave de zozoter, vous savez hein. C'est pas grave. Euh non non non, pas l'amour euh... Oh On va se calmer là <laughs> Ou alors un truc gentil, mais. Allez, une petite blague pour Edouard. Et je pense qu'après, on va rentrer. Euh, il est quelle heure Ouais, il est 4h du mat, donc faut rentrer avant qu'il fasse jour. Donc voici mon... mon cinéma. Et là derrière, vous pouvez voir deux lieux communautaires aussi que j'ai fait. Et euh, peut-être que certains d'entre vous en reconnaîtront un. Mais je ne dis rien. <laughs> Vous verrez bien dans les prochains épisodes quand on ira là-bas euh, au fil des épisodes. Aussi, je voulais vous annoncer avant la fin de cet épisode que cette semaine, vous n'aurez pas à voter puisque l'épisode de la semaine prochaine sera un épisode spécial comme l'épisode 7. Alors non, ne vous inquiétez pas, pour vos oreilles, je ne vais pas chanter, mais ça sera une scénette qui va euh, inclure des nouveaux personnages importants. Donc soyez au rendez-vous la semaine prochaine, ce sera plus court évidemment, il n'y aura pas de let's play, mais euh, j'espère que ça vous plaira quand même. Voilà. Oui, oui. Bon bah ils sont super proches, c'est trop cool. Mike est parti du coup. On va rentrer par contre parce que c commence à faire jour là et on n'a pas trop envie de cramer. Donc si tu peux te dépêcher ma petite. Allez zou, zou zou zou, elle va cramer, ça c'est horrible. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé dans d'autres parties euh, internes que le temps que mon sim se traverse toute la toute la map pour rentrer chez lui, bah il cramait. et c'était très chiant. Donc euh, les mondes semi ouverts, euh, ça me saoule un peu pour ça. Nous voilà rentrés. Ah bah y a Lydia qui nous a direct accostés. donc bah écoutez, on va lui parler. Euh, comment tu vas, Lydia Ça va mieux toi Ça se passe mieux à la maison euh, Maria l'air descendue là Elle a fini de, de piquer son boudin là oui et toi Bertie, comment vas-tu Ça va mieux j'espère, j'étais très inquiète que tu t'en ailles. <laughs> ouais, désolé, j'avais besoin de décompresser avec les... avec, euh, mes... avec mes couilles. <laughs> mes poteaux. <laughs> ah mais je comprends, tu sais, c'est normal. Hein. On a tous besoin de décompresser. <laughs> Je me pète un délire, hein, carrément, carrément, je suis en train de faire parler mes sims, mais c'est important, voilà, euh, je suis dans le, dans le roleplay, excusez-moi, je suis in RP, voilà, je suis dans le personnage, alors, on va la flatter, parce qu'elle est chou, ah, elle est confiante, cool, ah, euh, c'est chou, pikaway, alors, <coughs> fais-lui une petite blague une imitation, imite Maria. Tiens, regarde, devine qui c'est. Je suis trop méchante avec Maria. Je l'adore, hein. C'est juste pour, c'est juste parce que là elles se sont elles se sont engueulées. Alors du coup elles sont fâchées. Et voilà, moi personnellement en tant que joueuse, j'adore Maria. Je, 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 je la mets dans mon lit, Maria et sa créatrice avec. Mais mais là elles sont fâchées. C'est tout, c'est tout. Voilà, il faut rester dans le personnage. Ah, elles ont cours en plus. Est-ce que. <laughs> Je, leur... Je suis sûre. Ah, si, elles ont fait toutes leurs leçons ou pas Ouais. Bon, ça, c'est bien. Elles ont l'air d'avoir toutes fait leurs leçons. Et l'autre, elle est toujours en train de copuler avec Gabrielle Mais, Crystal, qu'est-ce que tu fous dans la chambre de Bertie Bah, bravo C'est du propre. Euh. Niveau besoin, ça a l'air d'aller. Maria aussi. Du coup, Bertie a besoin d'un bon petit jus euh, de, un beau petit jus de sang avant de partir en cours. Allez, vas-y, sirote ton ton truc là. Et je pense, les filles, par contre, que vous allez ranger vos, vos, vos formes sombres avant d'aller en cours, parce que là, on va quand même, euh, on va quand même en public. Donc, il faudrait veiller à ne pas trop se montrer. Putain, c'est où déjà Je ne sais plus. Ah, je suis sur la mauvaise. C'est pour ça que ça marche pas. <laughs> J'en ai marre de moi. Cacher la forme sombre. Toi aussi. Hop. Cristal, c'est pareil. Arrête de jouer, morue. Maria aussi. Et ma petite Bertille de l'amour. Hop là. Voilà. Allez où Voilà. Comme ça, c'est parfait. Tu vas te changer avant d'aller en cours. Et dès qu'elles iront en cours, on va se laisser pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu d'ailleurs. Voilà, change-toi. Voilà, que ça elle est propre, tu sais. Hop, elle fait ça. Wouh Et c'est bon, elle est propre. Ok. Bon. On va vendre la piste de danse en carton, on s'en fout. Et sur ce, j'espère que l'épisode vous aura plu, que celui de la semaine prochaine vous plaira aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie des cœurs et des paillettes. Et salut